Oh oui, mes amis, la matrice part en live. Je pense que c'est une nouvelle pour personne, mais la matrice part totalement en live. Et par partir en live, je veux dire par là qu'elle part totalement en COUI2LES. Oh oui. Un nouveau bel esprit chaud qui n'était pas prévu, en tout cas qui n'était pas prévu. À un tel niveau de prévision que l'avaient été les trois derniers sur la vie après la mort, les expériences de mort imminente, la réincarnation et les vies antérieures, et le chemin des âmes. Oh non, ce bel esprit chaud est une totale impro qu'il m'a été soufflé, suggéré de faire. Suite à un mème, une image que j'ai vue sur Telegram, si je dis pas de bêtises, qui parlait de comment sortir de la matrice, comment faire pour que la matrice n'ait plus d'effet sur vous. Et cette image et ce qu'elle a raconté a tellement résonné en moi que je me suis dit, il faut à tout prix faire une vidéo là-dessus. Et plus je pensais à cette vidéo, que je suis en train de faire, plus, je me suis dit, au final, ça va être un bel esprit chaud parce qu'on va aborder pas mal de sujets qui ont été abordés dans d'autres bel esprit chaud. Donc, autant boucler la boucle et en faire un bel esprit chaud. Donc, autant se lancer dans le vif de l'action, rentrer dans le vif du sujet. Et voici la photo en question. Bam! La matrice perd son pouvoir sur vous quand vous accomplissez toutes les tâches qui suivent. On va parler de chaque tâche une par une, non pas que ce soit une liste exhaustive, mais franchement, avec tout ce qu'il y a dans cette image, je ne sais pas qui l'a faite, non, sur l'image que j'ai imprimée, il n'y a pas marqué l'auteur, mais franchement, c'est pourquoi en fait je fais cette vidéo, parce que je me rends compte avec le recul. C'est exactement ce qu'il m'a été inspiré de faire pour en effet sortir de la matrice. Et quand on rentre dans cette dynamique de se rendre compte qu'au final, depuis le début, et quand je dis depuis le début, c'est depuis notre enfance, on est conditionné à accepter, limite forcé à accepter, le monde tel qu'il est dépeint à travers tout, l'éducation. Les news, enfin les médias, les merdias, le système politique, le système social. Donc, depuis tout petit, oui, on n'a quasiment pas le choix d'accepter cette façon de vivre. Et au final, on se rend compte que quand on se réveille, quand on devient quelqu'un d'éveillé, et que donc on sort de la matrice, que on nous a pris pour des CONS toute notre vie, quoi. Donc voilà quoi. Donc moi personnellement, c'est inconsciemment, c'est j'ai suivi toutes ces étapes, mais c'était tellement bien résumé dans cette image que je me suis dit, vous savez quoi, on va faire une vidéo parce que comme toujours, loin, très très loin de moi la prétention de vouloir servir de j'allais dire de guide ou de gourou, ça on s'en fout, c'est pas du tout ça, mais je me dis toujours, si encore une fois ces vidéos, ces paroles, cette communication et cet échange d'idées, de concepts effectués à travers donc ces vidéos ou d'autres, même des posts, que ce soit Instagram ou sur Twitter, si ne serait-ce qu'une personne peut en sortir aidée, grandie, rassurée, inspirée, bah franchement, c'est mission accomplie. Donc voilà. Merci à vous tous qui regardez, merci pour tous les bons commentaires. Je pense, je vais essayer de faire un de ces quatre une vidéo où je répondrai à vos questions, les nombreuses questions ou commentaires qu'il y a eu sous les vidéos. Je vais faire un grand recensement. Donc au final, si vous en avez, allez-y, hein, lâchez-les en commentaire dans celle-là. Je me débrouillerai pour faire un Q&A par rapport, encore une fois, à tout ce que vous avez déjà dit. Mais bref. On est là pour parler, pour partir, pour quitter la matrice, mais pour parler de comment faire pour y arriver. Donc, premièrement, la matrice perd son pouvoir sur vous quand vous pensez de façon critique que vous avez le bel esprit, l'esprit critique. Ça, je pense qu'il est indéniable pour quiconque réfléchit un minimum.
de se rendre compte que, j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec un pote, vis-à-vis de mes neveux, enfin de mon neveu, parce que pour l'instant il n'y en a qu'un qui est à l'école. En fait, dès qu'on commence à aller à l'école, donc à l'âge de 3 ans, on est conditionné. Je pense que maintenant beaucoup sont d'accord pour reconnaître que le cerveau humain est une sorte d'ordinateur, une sorte de disque dur sur lequel on upload des données et notamment on upload également des logiciels. Par logiciel, je veux dire par là, des façons de penser, des façons de réagir, des façons de se comporter en société et dans le monde de façon générale. Et ça commence dès l'école, dès 3 ans. Le pauvre petit gamin, là, il apprend à peine, il sait à peine marcher que direct on l'envoie s'asseoir derrière une table. Derrière un bureau, on lui dit tais-toi tant qu'on te donne pas la parole, lève la main si tu veux parler, demande l'autorisation si tu veux aller aux toilettes, tu as une demi-heure de récréation et encore je crois que c'est plus un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas trop, dans les écoles primaires en ce moment, enfin, les maternelles en ce moment, le matin et 15-20 minutes l'après-midi, entre midi et deux, tu vas te remplir la panse. Tu as un peu de quoi t'amuser, mais après il faut retourner t'asseoir derrière ton bureau et n'oublie pas bien sûr, tu as une autorité dans cette classe qui est la maîtresse ou le maître. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui domine, bon, c'est un peu le patron de l'école. Bref, ce conditionnement en fait, dès 3 ans, commence donc d'un point de vue déjà physique, qui habitue le gamin à se soumettre à l'autorité, à une figure d'autorité. Et après, ça continuera toute sa vie, hein. Ça continuera à l'école primaire, ça continuera au collège, ça continuera au lycée, voire à l'université. Et après, dans la vie active, quand cet individu trouvera un travail. Ouais. Et donc, à travers ce conditionnement, vient également très, 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 très important le conditionnement mental et voire slash spirituel. Bon, pas trop à l'école, mais il y a de ça quand même un peu. Et pour faire simple, l'école, ça marche comment? Et je parle de l'école parce que c'est la première étape dans la vie de tout le monde. Attention, après, on apprend beaucoup de bonnes choses à l'école, hein, je veux dire, on apprend. Principalement, moi, avec le recul, je trouve que l'école, c'est super parce qu'on apprend à lire, à écrire, à compter, même si compter aujourd'hui, j'ai envie de dire, vu qu'on a tous des portables ou des calculettes, bon, pas que ça sert à rien de compter, mais ne serait-ce que savoir faire une division dans sa tête, c'est cool, mais avec une calculette, c'est 10 fois plus rapide, quoi. Donc, bon, on va la calculette ou calculette sur le portable. Donc, même ouais, quand je vois des problèmes de maths, par exemple, oui, parce que moi, il y a quelques années, je révisais un peu les maths. Pour un concours, et je voyais genre des trucs, les équations à deux inconnues avec les graphiques, avec les trucs horizontaux et verticaux. Yo, à quoi ça sert de savoir faire ça tout seul, vu qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs qui le font pour nous, et je dis pas qu'il faut se reposer sur la technologie, pas du tout, mais je veux dire par là, la seule façon qu'on pourrait éventuellement envisager l'éventualité dans laquelle un humain devrait faire ses calculs tout seul serait qu'il y ait un cataclysme et qui fait que plus aucun ordinateur ne marche dans sa proximité immédiate ou sur la planète, tout simplement, parce qu'une éventualité qui arrivera quasiment jamais. Parce que quand bien même il y aurait un cataclysme qui annulerait tous les ordinateurs sur la planète, ben en fait, les maths et les équations à deux inconnues, je pense qu'on n'en aurait pas trop besoin, on aurait d'autres priorités et d'autres problèmes sur les bras. Donc bref, tout ça pour dire, ouais, à l'école, non, si on apprend quand même de bons trucs, genre lire, écrire, c'est quand même la base. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur les langues vivantes. Ça, avec le recul, j'aurais aimé apprendre beaucoup plus de langues vivantes parce que c'est un truc qui sert vraiment dans la vie active. Mais après, il y a énormément de matières qui servent absolument que dalle, hein, que ce soit physique, chimie, si on ne devient pas scientifique, pff, ça sert un peu à que dalle. Même personnellement, moi j'ai fait littéraire. Toutes les spécificités que j'ai apprises, que j'ai dû apprendre en français, en études de texte, en dissertation, bon, c'est bien, ça forme un peu l'esprit, mais bon, franchement, pareil, encore une fois, le mec qui va faire plombier ou qui va faire un catcheur. Autant que voilà quoi, savoir faire une dissertation avec une thèse et une antithèse, deux parties, une conclusion, une introduction, bon, pff, voilà, c'est bien, ça forme l'esprit, mais au final, tout ça pour dire, l'école c'est quoi? C'est on apprend aux petits et aux petits et même aux adultes à être un bon perroquet. On vous donne la version officielle des faits et si vous la répétez bien, vous avez une bonne note. Et c'est ça qui en fait,
je pense, concerne principalement, bon après il y a aussi autre chose, il y a aussi les fake news, mais ça on y viendra après. C'est ça que le premier point de penser de façon critique, c'est que il faut se dire que depuis qu'on est tout petit, on nous a mis des idées dans la tête, on nous a mis des données dans la tête, on a téléchargé un logiciel dans notre cerveau, et que malheureusement, bon, de plus en plus de gens le font, mais à une époque, il n'y en avait pas beaucoup du tout. Personne ne remettait en question tout ce qu'on nous a dit à l'école. Et ce qu'on nous a dit à l'école, et ce qu'on nous dit de façon dans la vie de tous les jours, ce qu'on nous dit à la télé, ce qu'on nous dit dans les émissions, ce qu'on nous dit dans certains bouquins même, des bouquins d'histoire ou des bouquins de science même. Et voilà, un exemple tout bête, mais voilà, bon, j'ai cette magnifique planète derrière moi. Depuis tout petit, on nous raconte, oui, non, mais en fait, toutes les autres planètes du système solaire ne sont pas habitées. La plupart des gens qui colportent cette donnée ne sont jamais allés sur ces planètes. Donc pareil, là aussi, c'est bien beau d'affirmer de telles certitudes apparentes comme ça, mais une des plus grandes paroles, je crois, c'était... Qui disait ça? Je sais plus, il faudrait que je retrouve, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'était Socrate ou Platon, il me semble. Je peux faire une énorme bêtise peut-être là-dessus, mais ça, c'est bien vrai. Je veux dire, plus on essaie de se renseigner sur plein de domaines différents, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien. Et on ne sait rien pourquoi? Parce que dès le début, à l'école, on nous a mis plein d'idées dans la tête qui, au final, se révèlent avec un minimum de recherche complètement fausse et débile. Donc, pour sortir déjà de cette matrice qui piège l'être humain et qui fait de l'être humain quelque chose de vraiment tout petit, qui n'a aucun contrôle sur sa vie et qui est dépendant dépendant du système, donc dépendant de la matrice, la première chose à faire, déjà, primo, c'est de penser par soi-même et que chaque fois qu'on vous donne une information que vous n'avez pas vérifiée par vous-même avec vos propres yeux, vos propres oreilles, votre propre odorat, voire votre propre toucher, bon, peut-être pas le goût, ça c'est un peu plus rare, quand même remettez-le en question et prenez toujours avec des pincettes jusqu'à ce que vous ayez pu vérifier, notamment également en faisant confiance à votre instinct. C'est très important parce que, comme on l'a déjà vu dans plein de bel esprit chaud, la réalité des cinq sens dans laquelle vivent beaucoup d'êtres humains actuellement est excessivement limitée. C'est pas parce que on peut voir avec nos yeux d'humain qu'on voit tout ce qu'il y a à voir. Ça, c'est aussi, c'est un truc à comprendre. Et ça, par contre, personne ne nous le dit à l'école. Personne ne nous dit à l'école que le spectre de la lumière visible qui est accessible à l'œil humain, excusez-moi, il est 11h30. J'ai un peu les yeux qui piquent. Donc, bref, personne ne nous dit à l'époque, personne ne nous dit à l'école que le spectre de la lumière visible captée par les yeux humains est minuscule par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers. Et puis, donc voilà, donc mes amis, pensez par vous-même, ayez le bel esprit. D'ailleurs, à la base, ça a toujours été ça un peu le dicton. Le bel esprit, c'est de toujours tout remettre en question et ne pas croire purement et simplement tout ce qu'on nous dit. Surtout, surtout à l'époque actuelle. Oh oui, oh oui. Deuxième point. Et lui, il est principal, éviter les médias, éviter les news. Alors là, c'est exactement ce que je disais. Vu la situation actuelle, vu le monde actuel, alors franchement, je suis de plus en plus tenté de dire que les médias sont les pires ennemis de la population. Plus, peut-être même plus que les politiques. Parce que normalement, le rôle d'un journaliste, le rôle des médias, c'est de chercher la vérité et de justement d'exposer les mensonges, d'exposer les arnaques, d'exposer voilà, ce qui ne va pas au final. D'ailleurs, soit dit en passant, excessif respect, énorme respect, peut-être pas excessif, énorme respect à Carl Zéro qui en ce moment fait un boulot de fou pour dénoncer la... Je dis pas le mot parce que sinon YouTube va se faire un plaisir de censurer la vidéo. Comme je vous l'avais dit, ils m'ont enlevé le premier, tout premier bel esprit chaud parce que je parlais de Dany le Rouge qui appréciait certaines pratiques avec les enfants de 5 ans. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. On va pas se faire supprimer cette vidéo. Mais ouais, donc voilà, Carl Zero fait un super boulot là avec son film 1 sur 5. Je ne l'ai pas encore regardé parce que j'ai envie de dire, de toute façon, je sais quasiment tout ce
Je suis au courant de tout ce dont il parle à l'intérieur dans ce film, mais franchement, ses apparitions sur les différents médias, que ce soit online ou à la télé, franchement, il fait un super boulot, il mérite tout notre soutien et tout notre respect, parce que voilà, dans tous les cas, aussi un des volets de casser la matrice, ça va être de dévoiler au grand jour tout ce qui va pas et surtout les vices les plus profonds de certains des acteurs principaux. Certains des cadres principaux de cette matrice, et cela, ça a duré depuis trop longtemps. Mais bref, donc ouais, éviter les news et éviter les journalistes, parce qu'aujourd'hui, voilà, normalement un journaliste, c'est censé être un dénonciateur de ce qui ne va pas, de ce qui est caché, des complots d'ailleurs, voilà, disons le mot. Mais il est indéniable aujourd'hui qu'en tout cas, 95% de ce qui passe à la télé actuellement, j'ai même envie de dire 99%, parce que si ça forcément ça passe à la télé, et quand je dis télé, je parle des chaînes de télévision, pas de une télé avec un relié à un écran relié à des réseaux sociaux comme YouTube, Rumble, ou voilà. Mais bref, ce qui passe vraiment à la télé, donc sur les chaînes de télé, si ça passe dessus, c'est que c'est forcément avalisé par le système et avalisé par la matrice. Donc au final, voilà quoi, si c'est à la télé, aujourd'hui, voilà, tout ce qui passe à la télé, je pense que tout le monde maintenant, surtout après 1 an et demi attention, je mets les guillemets, d'épidémie, parce qu'on ne peut même plus parler de pandémie, étant donné qu'ils ont montré récemment, il y a eu un rapport qui est sorti, j'ai vu qui disait que tous les patients de la maladie qui sévit sur Terre depuis mars 2020, ben, en fait, il n'y avait pas tant que ça dans les hôpitaux. Mais par contre, la matrice continue à vendre de la peur, parce que derrière, il y a tout un commerce qui se fait vis-à-vis des traitements qui n'en sont pas vraiment. On sait de quoi on parle. Et donc, oui, donc voilà, donc au final, tout ce qu'on voit à la télé, maintenant, tout le monde, de plus en plus de gens se rendent compte qu'au final, la télé, c'est, enfin, en tout cas, quand je dis la télé, je parle de ce qui est supposé être des journalistes, sont juste des agents de propagande du système et ils font la chambre de résonance de ce que disent les politiques. Mais voilà, pourquoi je disais qu'ils sont peut-être, même sûrement, les pires ennemis du peuple que les politiques eux-mêmes, parce que les politiques sont uniquement toujours en place et toujours dans leur position de sous-entendu de supposé pouvoir, parce que le peuple soit est toujours endormi, soit il n'ose pas se rebeller. Mais principalement aujourd'hui, parce qu'il est toujours, une grosse partie est toujours endormie. Pourquoi ils sont endormis? À cause de tous les mensonges qui sont déblatérés du matin au soir à la télé, et à la télé donc dans les médias. Soit ils reprennent la version officielle de ce que dit le gouvernement, soit ils apportent des arguments qu'ils vont chercher à droite et à gauche pour appuyer la version officielle du gouvernement, qui donc au final ça devient de la propagande. Parce que de toute façon c'est Goebbels qui disait, enfin, ou les nazis, je sais pas, un mec chez les nazis qui disait, grosso modo, un mensonge, plus il est gros, plus il passera. Tout ce qu'il faut, c'est faut le répéter encore, encore, encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour autre chose que le mensonge dans l'esprit des gens. Et donc ce mensonge deviendra la vérité pour les gens. Et c'est ça qu'il faut comprendre, de toute façon, à travers tous les autres articles de cette photo, c'est que la réalité dépendra et dépend dans tous les cas uniquement de ce que vous avez là et de comment vous voyez le monde. Et comment vous voyez le monde, c'est en fonction des principes que vous avez en vous. Et quand je dis principes, c'est aussi bien vos connaissances que votre façon de réagir et votre façon de ressentir les émotions. Vis-à-vis de ça, votre monde va être créé ici et franchement uniquement ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à deux mondes parallèles qui coexistent. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, ils font. Vous avez des gens qui sont complètement morts de peur vis-à-vis de la maladie qui est là depuis mars 2020 et qui est apparue même avant, parce que je connais des gens qui l'ont eu d'ailleurs, qui l'avaient eu je vais pas vous dire de bêtises, en novembre 2019, ils ont chopé une méga, 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 méga 2 semaines de fièvre, tousser, de la toux, mal au poumon et tout, perte de goût. Bon, bref. Donc, vous avez 2 mondes parallèles qui vivent avec des gens qui sont complètement matrixés, dans la matrice de la peur, et d'autres qui sont complètement rendus compte de la supercherie et qui, eux, commencent à dire, ouais, non, mais en fait, non, il y a un problème, quoi. Et ces deux mondes coexistent. Donc, d'un côté, on a cette matrice entretenue par le système
qui essaie de garder les gens dans la peur, parce que qui dit personne qui a peur dit personne facilement manipulable et contrôlable. Parce que justement, si on fait favoriser, et allez donc à la merde avant que j'aille là, on a les gens qui se réveillent et qui se disent non mais attendez, on ne peut pas tout mettre sur le compte de la peur, parce que plus les gens ont peur, moins on a de liberté. Et donc on a cette opposition entre peur, sécurité et liberté, qui, pas qui s'affrontent, mais qui coexistent. Et c'est très intéressant parce que on est dans une époque où on se rend vraiment compte que le monde tel que les gens le voient dépend de leur intérieur à eux, c'est-à-dire de leur façon de voir le monde en fait. Et ouais, franchement, c'est assez intéressant et je pense que ça réveille de plus en plus de monde. Ça réveille de plus en plus de monde et je le redis, hein, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être qu'au fond de vous, il y a une petite voix qui résonne et qui vous dit de peut-être aller chercher les informations ailleurs que dans les endroits classiques. Et rien que pour ça, on continue. Oh oui, oh oui. Observez-vous. Observe yourself. Alors là, c'est beaucoup plus humain comme point de vue. Par observez-vous. Moi, en tout cas, je l'analyse comme ça, parce que ça a été probablement un des plus grands travaux sur moi que j'ai effectué. Sur moi, quand je dis moi, je parle de cette symbiose entre l'âme et le corps humain, donc slash le cerveau, de ce véhicule terrestre et humain que j'utilise, humain ou hybride, sûrement hybride, que j'utilise dans cette incarnation. Observez-vous, ça veut dire. Surtout en ce moment, quand on réagit beaucoup avec des émotions vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous, observez votre réaction, observez pourquoi vous réagissez ainsi, et essayez d'en déduire et d'apprendre des connaissances qui vous permettront à ne pas. Je veux dire, j'allais dire, ne pas refaire ces erreurs dans le futur. Un exemple. Si une situation vous met en colère ou une personne vous met en colère, et ça, c'est ce qu'on appelle le shadow work, le travail sur la zone, la partie d'ombre qu'on a tous en nous. Si quelque chose ou quelqu'un vous énerve, ne blâmez pas cette personne ou cette situation, mais essayez de comprendre sur quel point sensible cette personne ou cette situation a mis le doigt en vous qui fait que vous vous énervez. Quand vous commencez à réagir comme ça vis-à-vis des émotions que vous ressentez, donc ce peut être colère, et principalement des basses émotions, hein, parce que c'est vraiment ça le plus gros aspect négatif du monde actuellement, c'est les basses vibrations, les basses émotions, que ce soit colère, tristesse, dépression, haine, jalousie, etc., etc., etc. Quand vous commencez à analyser votre propre comportement et donc vous observez vous-même de cette façon, et que vous comprenez que votre façon de réagir au monde n'en dit pas sur le monde, mais en dit, enfin n'en dit pas plus sur le monde qu'il n'en dit sur vous-même, croyez-moi, vous commencez à rentrer sur l'autoroute de l'amélioration de la personne et donc des leçons de vie que vous allez apprendre, de la personne que vous êtes et des leçons de vie que vous allez apprendre. Ouais, parce que quand vous, voilà, je reviens sur l'exemple de la personne qui vous énerve ou la situation qui vous énerve. En général, si vous vous énervez vis-à-vis de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas soigné, il y a quelque chose en vous, comme on dit, qui n'est pas, j'allais dire en anglais, healed, donc c'est soigné, et que ce point sensible qui a été déclenché par cette personne ou cette situation, va vous poser défaut et va continuer à vous embêter parce que croyez-moi, je reste persuadé qu'on est loin d'avoir vu toutes les emmerdes que la matrice va nous balancer dans la gueule pour continuer à nous réveiller ou pas. Parce que soit on se réveille, soit on ne se réveille pas. Mais bon, là, je pense que de plus en plus de gens se réveillent et justement, c'est un passage nécessaire. La matrice part tellement en live parce que pour que les gens se réveillent, il faut qu'elle parte complètement en live. C'est comme, c'est bête, mais c'est comme. Toutes les horreurs qu'on voit et les horreurs vers lesquelles j'ai peur, on se dirige vis-à-vis de tout, des crises économiques, crises sanitaires, crises politiques, crises migratoires, tout, à tous les niveaux. On n'est pas encore sorti de l'auberge et c'est un mal nécessaire qu'il va falloir voir pour se rendre compte vraiment que nos
supposés dirigeants et bien plus au-dessus d'eux, les marionnettistes qui les contrôlent, sont vraiment des tarés qui n'ont aucune bonnes intentions vis-à-vis de l'être humain. Ils ont un agenda qui est complètement anti-humain, ça c'est clair et net maintenant, d'autant plus qu'ils ont tous le mot transhumanisme à la bouche, mixer l'homme avec la machine, et que pour que les gens prennent vraiment complètement conscience de ce mal qui est là depuis bien longtemps, quand on commence à se renseigner un peu et qu'on étudie l'histoire, mais j'allais dire la vraie histoire, l'histoire qu'on ne nous raconte pas à l'école, donc ce mal qui est ancré depuis des millénaires sur Terre, pour que les gens vraiment en prennent conscience et donc se réveillent, il va falloir le dévoiler au grand jour. Donc ça se fait petit à petit, il faut pas le faire trop fort parce que sinon les gens vont être complètement choqués, donc je redis Carl Zero y participe, entre autres. Mais voilà, le truc c'est, il faut comprendre que, on va prendre un exemple un peu poussé, mais c'est très parlant. Une personne qui a jamais vu de requin de sa vie, par exemple, qui a jamais vu les dents de la mer, on peut lui expliquer, ouais, écoute, dans l'eau, il y a des gros poissons avec des grosses dents qui se baladent et qui peuvent attaquer l'être humain. Bon, si on vous en parle, ok, ça va peut-être résonner en vous, mais ça vaudra jamais l'expérience. Si on vous en parle ou qu'on vous montre une photo d'un requin, ok, d'accord, mais vous serez toujours peut-être là à dire, ouais, non, mais bon, ouais, c'est peut-être un montage, j'y crois pas, c'est des rumeurs. Tant que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux et que vous n'êtes pas dans l'eau à vous faire frôler la jambe, voire carrément vous faire mordre par un grand requin blanc. Non pas qu'attention, je dis pas que les requins sont une espèce dangereuse ou qu'il faut tous les exterminer, pas du tout, mais si je prends un exemple extrême, parce que moi personnellement je ne vous mens pas, être lâché en pleine mer au large, ça serait pas vraiment quelque chose de plaisant pour moi. Pas juste par rapport aux requins, mais entre autres. Et donc bref, tout ça pour dire, tant que la personne ne s'est pas fait frôler et mordre la jambe par un requin, ben elle n'y croira pas vraiment en fait. Ou alors tant qu'elle n'a pas vu les dents de la mer, parce que là c'est quand même bien imagé quoi. Donc en fait là c'est pareil. Les gens on peut leur dire ouais mais attends on est dirigé par des tarés qui sont là, qui veulent transformer les humains en cyborgs, etc. 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 qui veulent faire une crise économique, qui veulent conditionner le retour à une vie normale qui ne reviendra jamais de toute façon en tous les cas, à d'innombrables doses de boosters. Dont c'est quoi. Voilà, franchement, tant que les gens l'auront pas vécu, ils l'auront pas vécu dans leur chair, ils y croiront pas. Et donc c'est pour ça que là, malheureusement, c'est un mal obligé, et tous ceux qui sont éveillés et qui ont conscience de tout ça, il va falloir prendre votre mal en patience. Et c'est pour ça que ce point-là de s'observer, je sais que beaucoup dans mon entourage, des fois perdent patience et perdent foi et se disent non mais les gens se réveillent pas assez vite, on est foutu, etc. Non, déjà on n'est pas foutu et les gens se réveillent de plus en plus, ça il faut le comprendre. Maintenant, et c'est là que donc ce point est très important, en s'observant soi-même, on en apprend beaucoup plus des autres. Et donc voilà, il ne faut pas projeter, enfin moi c'est ce que je conseille, parce que franchement depuis que je le fais, ma vie a complètement changé, hein. Franchement je m'énerve quasiment plus, hein. C'est un truc de fou, mais il ne faut pas projeter sur les autres et attendre d'autrui notre propre façon de réagir avec nos propres connaissances et notre propre vécu qui fait que, à travers le cheminement de tout ce qu'on a expérimenté dans la vie, on en arrive à penser comme on pense actuellement. Tout le monde évolue à des rythmes différents et tout le monde apprend des leçons différentes. Donc il faut être super tolérant, super compréhensif et ça passe notamment, donc encore une fois, par le fait de s'observer et d'essayer de comprendre pourquoi certaines situations ou certaines personnes ou certains événements déclenchent en nous des réactions qui ne sont pas franchement auto-vibratoires. Et en faisant cela, crois-moi, vous allez développer votre compassion et votre empathie qui fera de vous une personne beaucoup plus comment dire, compréhensive vis-à-vis de votre entourage, et donc forcément votre entourage va le ressentir et votre entourage va s'ouvrir beaucoup plus à vous, et en s'ouvrant beaucoup plus à vous, sera beaucoup plus réceptif à toutes les informations que vous choisirez ou pas de leur donner en fonction de leur niveau d'éveil. Oh oui, oh oui.
Quatrième point, suivez votre intuition. Alors là aussi, très 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 important, ça j'en ai souvent parlé hein, dans le Bel Esprit Show et dans mes vidéos. L'intuition, c'est votre âme qui vous parle ou vos guides. Et pour tout le monde a son intuition. Tout le monde, qu'on soit spirituel ou pas, qu'on médite ou pas, tout le monde a une intuition et tout le monde sait des fois quand une situation pue, qu'une personne, qu'on ne connecte pas avec une personne, on a tous notre intuition. Et afin de vraiment pouvoir complètement connecter avec son intuition, c'est quelque chose que j'adore personnellement, c'est qu'il faut savoir faire le silence en soi et ne pas avoir peur d'être seul face à soi-même. Il y a beaucoup de personnes actuellement, et ça c'est la société qui veut ça et la technologie, qui vivent constamment dans un boucan perpétuel. Tout le temps, il y a du bruit autour de la musique, la télé, les news, de Netflix. Ils ont besoin de meubler l'intérieur de leur tête parce que soit ils sont pas à l'aise avec, qui ils sont ou ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes, soit justement ils ont peur du vide. Et bon, mais moi personnellement, encore une fois, par mon expérience, il y a un an, quand je faisais le deuxième confinement à la campagne, franchement, j'étais tout seul à la campagne et je passais des soirées entières avec aucun bruit, dans le silence. Et alors attention, c'est pas pour tout le monde, ça je l'avoue, mais au moins une fois de temps en temps, il faut le faire parce que c'est uniquement quand on se retrouve dans ce silence qu'on est capable d'apprendre un peu plus, non seulement qui on est, et par conséquent, notamment par la méditation également, de reconnecter avec cette petite voix au fond de vous, cette intuition, son soi supérieur, slash ses guides, qui vous permettent de vous mettre sur la petite voix et de vous faire comprendre quelle décision en général sera la meilleure à prendre par rapport à votre vie, par rapport à cette incarnation et donc par conséquent par rapport à l'accomplissement de la mission de vie que vous êtes fixé en tant qu'âme avant de vous incarner. Oh oui, oh oui. Cinquième point. Speak your truth. Dites votre vérité. Soyez honnête envers vous-même et surtout n'ayez pas peur de dire ce que vous, pas ce que vous pensez, mais ce que vous ressentez réellement. Parce que la pensée, ça va, ça vient. La pensée, c'est pas l'âme. La pensée, c'est le cerveau et on en a parlé dans le Bel Esprit Show sur le chemin des âmes. Le cerveau ne représente pas forcément qui vous êtes en tant qu'âme. Et c'est très important ça de le comprendre. L'âme cohabite et coexiste avec le cerveau, mais elle lui survivra et elle lui a déjà été antérieure. Donc c'est pour ça que les pensées, c'est bien, il en faut, on est humain, on a tous des pensées, mais c'est pas ça qui fait vraiment qui vous êtes. Et ce qui fait vraiment qui vous êtes, c'est votre cœur. Et pour moi, franchement, la vérité est très profondément reliée avec la vibration du cœur de qui on est, parce que de toute façon c'est simple, quand quelqu'un dit la vérité, quand quelqu'un est vrai, on le sent, point barre. Et quand quelqu'un justement est un tire au flanc ou quand quelqu'un est un menteur ou un manipulateur, on le sent également. Donc ça franchement, fiez-vous à votre instinct et quand vous avez réussi à connecter avec votre instinct, dites-le et n'ayez pas honte de le dire. Parce que si vous êtes authentique, comme je le suis dans toutes mes vidéos, si vous êtes authentique et que vous envoyez cette énergie, cette vibration d'authenticité et de vérité, les gens le ressentiront, ils seront beaucoup plus réceptifs au message que vous envoyez. Et en croisant les doigts, si le message struck home, comme on dit en anglais, s'il fait mouche, eh ben, ça pourra avoir un impact positif sur leur vie. Et franchement, c'est le but. En tout cas, moi, c'est le but de mes vidéos. C'est si je peux aider, comme je le redis encore une fois, je l'ai déjà dit plein de fois, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une personne. Oh oui, mission accomplie. Sixième point, donner votre énergie de manière consciente. Grand principe de l'herméticisme, du savoir hermétique, aussi de loi de l'attraction. Là où la pensée va, l'énergie va. Where thought goes, energy flows. Pensez que ce sur quoi vous allez vous concentrer, eh ben c'est ça qui va prendre de l'importance dans votre vie. Donc, parti de là, et c'est pour ça que je m'en souviens, il y a un an, peut-être même jour pour jour, j'avais fait une vidéo où en mi-novembre, je plongeais dans la rivière. Et je disais dans cette vidéo, qui était intitulée L'esprit contrôle la matière,
Grosso modo, c'est de mémoire, hein, parce que ça date d'il y a un an et je ne l'ai pas rematé depuis. Si j'arrive à me convaincre que l'eau n'est pas froide et que je ne vais pas m'enrhumer, eh ben, je ne tomberai pas malade et puis ça sera beaucoup plus facile que si je rentre dedans en me disant « Ouh là là, ouh là là, ouh là là, il va faire très froid et je vais m'enrhumer ». C'est très souvent ça, les personnes qui sont là à se répéter « je vais attraper un rhume » ou « j'ai chopé un rhume », ben forcément, elles partent comme ça, elles vont choper ce rhume en question, quoi. À donner votre énergie de manière consciente. C'est-à-dire que, après, je sais que c'est très dur, surtout actuellement, mais bon, c'est pour ça que notamment, la leçon numéro 2, c'est éteindre la télé et éviter les médias. La période actuelle est très compliquée. Il se passe énormément de choses et j'ai presque envie de dire énormément de mauvaises choses, même s'il se passe aussi beaucoup de bonnes choses, mais justement, la matrice veut nous maintenir dans cette énergie négative, justement. Où il n'y a que des mauvaises choses, où il n'y a que des problèmes, et que la seule façon de s'en sortir, c'est de donner les pleins pouvoirs au système. Et je redis à la matrice, combien de fois j'ai dû dire matrice dans cette vidéo, je ne sais pas, mais je ne vais pas les compter. Et le truc, c'est ça, c'est que si on reste dans cette matrice, les gens, les matrixés, ou voire les NPC, comme on dit, les non-playable characters, c'est les gens qui ont complètement renié leur souveraineté, aussi bien physique, intellectuelle, mentale, émotionnelle et spirituelle, et qui se sont complètement rendus dans les bras ouverts de la matrice. En fait, le truc, c'est quand on donne son énergie de façon consciente à cette matrice, ben, ça va faire que l'alimenter. Ça va faire que l'alimenter, ça va faire que maintenir, voire encore plus développer ce système qui est devenu vachement, quand même, vraiment oppresseur pour tout être, j'allais dire, normalement constitué, tout simplement un être qui aime avoir un peu de liberté, qui est là sur Terre, qui se rend compte que, bon, on a une énorme chance d'être là, incarné sur Terre, donc, bon, faudrait peut-être en profiter. Faudrait pas qu'on ait besoin de l'autorisation du président de la République pour sortir respirer dans la rue. Dire voilà, c'est ça, au bout d'un moment, voilà, il faut comprendre que choisir là où on donne son énergie, c'est par exemple ne pas donner son énergie ou donner son attention au président de la République qui va s'exprimer à la télé. Parce que plus on lui donne de l'importance, plus on va perpétuer dans notre inconscient, quand je dis notre, je parle pour ceux qui le font, que ce mec-là a une quelconque influence sur nos vies. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des CONS et faut arrêter de se dire que ce mec-là, je parle de Macron, mais ça peut vaut pour n'importe quel dirigeant ou chef d'entreprise ou quoi que ce soit, ou autorité même spirituelle et religieuse, je veux dire, que ce soit le pape ou quoi, je veux dire, c'est bon, quoi, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je veux dire, yo, ce gars-là, il n'a aucun pouvoir sur ce qu'on fait de nos vies. Et quand je dis ce qu'on fait de nos vies, je parle ne serait-ce que des trucs aussi basiques que sortir, aller faire des courses, aller au cinéma, stop, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et le truc, c'est que le problème, c'est que dans la perpétuité de l'engrenage et du système dans lequel il est aujourd'hui, c'est qu'on va aller de moins en moins vers une autonomie, une prise d'autonomie des gens, et de plus en plus vers une totale dépendance des gens, aussi bien financière, sociale, culturelle, agroalimentaire, du système qui fait que les gens n'auront plus aucune liberté. Et que le jour où les gens montreront, ne serait-ce que ben, comme en Chine, un semblant de remise en question peut-être même pas de l'autorité de l'État, mais de la véracité, de la version officielle des choses du ministère, par exemple, de la vérité, donc de la propagande, et ben direct, boum, on fera sauter les droits, et on fera sauter la liberté, on fera sauter le système de paiement, parce que tout sera digital. Donc non, non, au bout d'un moment, si on veut vraiment sortir de ce système qui commence à puer de plus en plus, il faut qu'on consacre notre énergie et qu'on donne notre énergie à, peut-être pas forcément direct au début des solutions, mais au moins déjà arrêter de participer à ce système et arrêter de croire que ce système, déjà primo, est là pour notre bien et que deuxio également, que ce système est là pour. Enfin, que est là et qu'on n'a pas le choix. On a tous le choix. On a tous le choix. Personne ne nous oblige à suivre ces règles qui deviennent complètement de plus en plus débiles. Et pourquoi ça devient de plus en plus débile? Parce que la matrice part en live. Elle part en live parce que de plus en plus de gens se réveillent et de plus en plus de gens ont compris que la matrice, au final, n'a aucun contrôle sur eux. Et qu'est-ce qu'a fait la matrice vis-à-vis de ça? Et qu'est-ce qu'est la seule chose qu'elle peut faire?
de plus en plus de répression, de plus en plus de censure, de plus en plus de retrait de liberté. Et le problème, c'est que plus ils font ça, plus ils se tirent dans le pied. Parce que plus ils font ça, plus de gens se réveillent. Et oh oui, oh oui, oh oui, on se dirige, je pense franchement, sincèrement, sur un futur à court terme qui risque de puer un peu. Mais à moyen et long terme, là, c'est clair, ça sera la libération totale. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont capter qu'on les prend pour des imbéciles depuis mars 2020. Au bout d'un moment, c'est bon, faut arrêter, faut appeler un chat. Et bon, oubliez Twitter, oubliez les bots qui sont payés. Alors, soit c'est de l'intelligence artificielle qui poste automatiquement, soit c'est des gens qui sont payés pour poster des conneries sur Twitter ou sur les réseaux. Ces gens qui prennent la défense du gouvernement ou qui prennent la défense de la façon dont la crise est gérée, yo, franchement, c'est des fakes. Hein. Vous allez sur leur profil, il n'y a même pas une vraie photo, il n'y a que deux ou trois gars qui les suivent. Bon, croyez-moi, je le sais parce que la plupart des gars, je les masque hein, sur Twitter. Twitter, c'est devenu vraiment un bon ramassis de c'est vraiment devenu une belle poubelle Twitter. Hein. Je parle pas des gens qui participent, des vrais gens qui participent et qui essayent de construire un avis, mais je parle du fait que niveau propagande de Twitter, ils y vont fort. Hein. YouTube, ils commencent également. YouTube, maintenant, qui commence à censurer pas mal de trucs, notamment en ce moment aux États-Unis, il y a une affaire sur un jeune qui avait... Enfin bref, c'est très très long à expliquer, j'en ai un peu parlé dans mes stories sur Instagram. Mais un jeune qui a un procès en ce moment aux États-Unis, je ne vais même pas dire son nom parce que son nom est censuré en fait. Sur Twitter, tu n'as pas le droit de dire que tu supportes ce jeune qui a fait utiliser sa légitime défense pour abattre un pédophile qui le frappait dans la tête à coups de pied et à coups de skateboard. Et un autre, il lui a tiré dans le biceps, et le mec a survécu parce qu'il lui pointait un gun sur le visage. Alors que le jeune, là, il était là justement pour essayer de limiter la casse pendant les émeutes qu'il y avait l'année dernière avec Black Lives Matter. Enfin bref, la matrice part en live. Concentrez-vous sur le maximum de bonnes choses, élevez vos vibrations parce que c'est vraiment ça qui au final mettra de plus en plus de roues dans la matrice qui veut à tout prix vous faire peur, à tout prix vous garder dans ce cocon de attention, le danger est partout, il faut nous faire confiance, on sait ce qu'il vous faut pour que vous soyez en sécurité, mais par contre vous nous donnez les pleins pouvoirs. Concentrez-vous sur l'opposé parce que franchement c'est vraiment le cas, hein, je veux dire. Tout est trafiqué pour essayer de vous convaincre qu'il y a un danger dehors, mais en fait, franchement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je parle vraiment dans la vie de tous les jours. Vous sortez en pleine nature, la nature est toujours aussi bien. Et c'est justement ça, c'est la seule façon que la matrice pourra perdre votre pouvoir sur vous, c'est de donner votre énergie de façon consciente à l'opposé de ce qu'elle veut. Et là, tout s'écroulera absolument tout seul. Avant-dernier point. Voyez au-delà de la division. Ça aussi, c'est un grand point qui est très cher si vous regardez bien les médias et le système actuel, c'est de diviser pour mieux régner. Diviser les gens, mais alors aujourd'hui, c'est là aussi qu'on voit que tout part en live, notamment dans la matrice, c'est que maintenant, on divise sur absolument tout. Avant, c'était aller principalement sur les opinions politiques, les religions, la couleur de peau. Maintenant, on a inventé 300 000 genres différents. On a inventé la division également sanitaire vis-à-vis du fait que certaines personnes acceptent ou pas de suivre un traitement expérimental. On a la division est partout. Et le pire, c'est qu'elle est même dans les familles. C'est un truc de fou. Et là, par contre, moi, c'est un truc que je ressens de plus en plus, c'est que au final, il faut prendre conscience que tous les êtres vivants sur la planète Terre, et même la planète Terre dans l'univers, ont fait partie d'un tout uniforme et un tout commun qui fait que on est tous dans le même bateau au final. On va prendre juste l'exemple de la planète Terre, que ce soit les animaux, les insectes, les humains, les arbres, la nature, tout ça. S'il n'y a plus de planète demain, on n'est plus là. Et je ne dis pas ça par rapport au fait aux prochains gros chapitres qui vont nous mettre plein la gueule pour, encore une fois, la matrice de la peur et du contrôle, c'est le changement climatique. Non, moi je parle juste du fait que on est comme les cellules d'un organisme. Et que dans votre corps, vous avez des milliards peut-être de cellules. Si chaque cellule agit pour sa propre gueule, pour son compte, eh bien, l'organisme ne va pas tenir longtemps. Mais là, c'est exactement pareil. Je ne dis pas que, attention, chaque cellule doit remplir son boulot et chaque cellule est unique, mais il faut tous quand même œuvrer ensemble pour
que l'organisme survive et l'organisme fonctionne de la meilleure façon possible. Donc c'est clair que les globules blancs vont faire leur boulot de globules blancs, ils vont peut-être pas forcément se mélanger avec les cellules des poumons ou alors les globules rouges qui ont leur boulot. Voilà, je veux dire, faire partie, alors voir au-delà de la division et faire et prendre conscience qu'on fait partie d'un ensemble commun, ça ne veut pas dire pour autant l'uniformisation et tout le monde sur le même pied d'égalité, comme par exemple la doctrine des communistes. Non, ça c'est de la connerie. Parce que de toute façon, le communiste c'est quoi? C'est tout le monde égal sauf ceux en haut qui sont les couilles en or. Hein. Je veux dire, faut voir comment ça se passe en Chine. Hein. Je pense pas que la Chine soit un modèle d'une quelconque manière que ce soit. Alors, en tout cas, je parle la Chine communiste. Après, en Chine, il y a énormément de bonnes personnes, énormément de très très bel esprit, mais en tout cas pas pour ce qui est du niveau du parti communiste du peuple chinois, c'est le PCC, le parti du peuple communiste chinois, bon, je sais plus exactement. Mais bref, tout ça pour dire, prendre conscience qu'on fait partie d'un tout commun, et voir au-delà de la vision, ça veut pas dire pour autant renier à chacun son individualité, pas du tout, et c'est ça la beauté du truc, c'est de se comprendre que c'est ça qui est en fait super quand on commence vraiment à capter le truc et qu'on commence à l'assimiler et qu'on commence vraiment à connecter avec toutes ces idées et ces principes, c'est qu'on se rend compte que on est tous différents, les amis, mais on vient tous du même endroit au final. On est, je le redis, alors j'allais le redire, on est tous différents, mais à la base, et quand je dis on est tous différents, c'est les planètes sont différentes, les êtres humains sont tous différents, on a tous un ADN différent, les animaux, les végétaux, combien il y a de sortes d'arbres et de plantes différentes sur Terre, la différence entre l'air, l'eau, les montagnes, les roches, la boue, la terre, bref, et je parle que de ce qu'il y a sur Terre, mais je redis, hein, les planètes, les galaxies, les étoiles, le soleil, bon, tout est différent, mais à la base, et alors là, je mets au défi quiconque d'essayer de me prouver le contraire. À la base, on vient tous du même endroit et on a tous la même origine. Parce qu'il faut bien, il faut bien que quelque chose ait créé le monde, ait créé l'univers. Il faut bien que quelque chose, quelqu'un, quelque chose à ce niveau-là, ait créé bah, tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous constitue. Et donc, si cette chose, cette entité, cette personne a créé à tout créer, et ben c'est donc au final, on vient tous du même endroit. Et donc au final, on a tout en nous. Oh oui, oh oui. Et c'est le dernier point. Go inward. Retournez vers l'intérieur. Tournez-vous vers vous-même. Parce que, comme je viens de le dire, on a tout en nous. Dans le sens que l'univers fait partie de nous, tout comme nous faisons partie de l'univers. As above, so below. Et tel que c'est en haut, ça l'est en dessous. Et personnellement, ce dernier point, il me parle énormément, surtout pour ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, et chaque fois que je parle de méditation. Alors maintenant, depuis ma blessure à l'épaule, qui se remet super bien d'ailleurs, un truc de fou, parce que justement, l'esprit qui contrôle la matière, et toujours la positivité, là où l'énergie va. Là où la pensée va, l'énergie va. Et j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu des pensées positives et j'ai toujours me suis concentré sur revenir au top de ma forme. Et je vais revenir meilleur qu'avant. J'en suis presque sûr, j'ai envie de dire. Touchons quand même du bois, mais voilà. Après, ça fait même plus mal de lever le bras comme ça. Oh oui. Bref, ça pour dire, cette blessure m'a donné l'opportunité et le temps de plonger dans une pratique que je voulais faire depuis longtemps, la méditation transcendantale. Alors j'en avais déjà parlé dans des Bel Esprit Show, mais là franchement je m'y suis mis depuis mi-septembre, bref, mi-fin septembre, donc ça fait presque maintenant un mois et demi. Et je pense que je ferai une vidéo uniquement sur ça, parce que ça m'a... Bon, déjà, ça m'... Je ne veux même pas dire ça m'a changé la vie, ça me change la vie et ça me change la vie quotidiennement. C'est... Pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un trip, un voyage de champignons, mais sans en prendre et uniquement en méditant. Et c'est ça maintenant qui me fait dire que on a tous, tout, 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 on a toutes les réponses au fond de nous. On a tous, avec ce véhicule humain, des capacités qu'on n'imagine même pas. Il faut juste savoir les utiliser et même pas, c'est même pas savoir les utiliser. Il faut juste avoir confiance en soi et avoir confiance en soi et conscience de soi, conscience
que on nous dit pas tout et que bien sûr on va vous cacher le fait que une pratique régulière d'activités comme bon, la méditation mais aussi le yoga, le sport, une diète adaptée, dans mon cas ne plus manger de viande, ça va vous changer la vie, mais vous changer la vie d'une façon que vous auriez jamais pu imaginer. Je redis, je ferai une vidéo spécialement sur la méditation transcendantale, mais à chaque méditation, c'est une aventure différente en fonction de l'intention qu'on y met. C'est un truc de fou. Méditation transcendantale, bon, pour déjà en commencer à en parler un peu, c'est une forme très simple de méditation où on se, où on apprend à méditer comme ça avec un ou une professeur de méditation de MT, de méditation transcendantale. Et ça consiste à, ce professeur va vous donner un mantra en sanskrit. Et vous répétez ce mantra dans votre tête, vous vous concentrez dessus tout au long de la méditation. De façon optimale, vous méditez matin et soir, 2 fois 20 minutes par jour. Et le fait de faire ça régulièrement, ça va commencer à habituer votre cerveau à plonger dans des phases de conscience, des phases d'éveil et donc des taux vibratoires de plus en plus bas et de plus en plus calme, qui fera que vous allez commencer à développer des capacités intellectuelles et spirituelles à laquelle vous avez, auxquelles vous n'avez pas accès en état de conscience normale. Et franchement, je vous dis, c'est un truc de fou parce que c'est, voilà, je veux dire, moi, ça fait, allez, ça fait 1 mois et demi que j'en fais. J'en suis déjà à me dire, waouh, où est-ce que j'en serai dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, quoi, de méditation, de pratique de méditation transcendantale régulière. Parce que c'est vraiment incroyable, hein, certaines méditations où je suis quand même complètement conscient, mais conscient dans le sens, j'ai contrôle total du fait de méditer ou pas, mais mon esprit et les visions que je commence à avoir, c'est un truc de fou, hein. Je veux dire, bon, après, sans donner d'exemple précis, mais je veux dire, soit des fois, je pars dans l'espace sur d'autres planètes, soit des fois, je vois, franchement, je vois des trucs, je sais même pas d'où ça sort. Je commence à avoir des visions d'endroits, de pleine nature, de personnes, d'entités, c'est, wow. Et c'est, encore une fois, c'est pas une question de, ouais, le mec, il part en live ou quoi, pas du tout. C'est, au contraire, je vous le dis, hein, c'est la puissance de l'esprit et surtout de comprendre que dans le cerveau humain, il y a cette capacité, il y a j'allais dire, cette serrure, oui, cette serrure dans laquelle si on met la bonne clé, on ouvre et on a accès à tout et on a accès à l'univers. Et donc, au final, toutes les réponses sont déjà en nous parce qu'on est relié à l'univers, parce que à la base, on vient tous du même endroit et on constitue, l'univers nous constitue au même titre qu'on constitue l'univers, qu'on fait partie de l'univers. Oh oui, oh oui. Et au final, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est bien de ça que les marionnettistes, ceux qui sont au-dessus des, bah bah, ceux qui contrôlent vraiment cette matrice, veulent surtout pas qu'on réalise. Parce que c'est bien plus pratique de nous garder en esclavage, c'est bien plus pratique de nous garder dans cette case minuscule de oh, t'es juste un être humain, t'as aucun pouvoir, tu peux rien faire, tout ce que tu fais c'est naze, et tout ce que t'es, c'est un amas de chair, d'os, et ta conscience c'est juste un produit de ton cerveau, et quand ton cerveau s'arrête, quand tu meurs, tout s'arrête. C'est bien plus simple pour eux de nous garder dans cette illusion, dans ce rêve, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une illusion, c'est vraiment un rêve. Et que plutôt que on se mette tous à réaliser notre potentiel absolument infini à travers diverses pratiques, notamment à travers toutes ces instructions entre guillemets, tous ces petits points pour que la matrice n'ait plus d'effet sur vous. Mais moi personnellement, je vous le dis maintenant, voilà, c'est principalement déjà, vous avez tous les réponses en vous et vous avez tous le potentiel d'y arriver déjà en prenant des actions dans cette matrice 3D, 3D de troisième densité dans laquelle nous sommes avec nos corps et nos véhicules et nos avatars humains. Mais après, quand vous commencez vraiment à faire des pratiques spirituelles poussées, alors certains, ça va être pour faire des, je sais, bon, si vous pouvez, si vous êtes dans des pays où c'est légal, faire des séances avec des plantes entéogènes qui vous permettent d'avoir accès à d'autres plans de conscience et d'avoir des leçons comme ça à travers des guides ou à travers votre propre subconscient ou surconscient, supraconscient qui vous parle. Ou alors, voilà, avec de la méditation. Vous apprenez à méditer, vous bossez là-dessus, comme tout, hein, comme le sport. Hein, je veux dire, ça vient pas du en claquant des doigts, hein, de commencer à avoir un bon niveau de méditation, mais en s'y appliquant et en bossant dur, tout le monde peut y arriver. Hein. Souvenez-vous, les amis, hein, il faut
Il faut 21 jours pour créer une habitude et il faut 90 jours pour créer un mode de vie. Donc voilà, moi je vous conseille franchement d'avoir confiance en vous, de reprendre votre pouvoir sur votre vie et de vous et de prendre conscience que vous êtes exceptionnel. C'est que si encore une fois, si vous regardez cette vidéo, c'est pour une raison. Et que cette raison, c'est peut-être que justement, il faut maintenant, il faut l'heure est venue de reprendre le contrôle de votre vie, ou pas, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais franchement, croyez-moi, quand vous commencez, quand vous appliquez tout ça d'une façon consciente ou pas, et que vous sortez de cette, de ce système qui réduit l'existence humaine à rien du tout au final, enfin, de plus en plus aujourd'hui. Que vous vous rendez compte de l'énorme chance que vous avez d'être, de vivre cette expérience et surtout de votre pouvoir, et je le redis, pouvoir interne que vous avez dans l'esprit. Et parce que si vous avez, si vous comprenez que vous avez le pouvoir ici, et enfin quand je dis ici, c'est dans l'intérieur, hein, c'est aussi dans de le pouvoir de l'âme, vous allez avoir un pouvoir de fou sur votre existence, parce que vous verrez la vie d'une façon complètement différente. Et les gens sentiront, les gens seront attirés vers vous en vous disant, mais comment tu fais pour être toujours comme ça, toujours positif, toujours heureux, pour wow, savoir autant de trucs, ben c'est... C'est comme ça, c'est quand vous commencez à raisonner à une. Vous attirez ce que vous envoyez. Et c'est ça, si vous commencez à vibrer à une certaine fréquence de bien-être et d'une fréquence qui n'est plus adaptée à cette matrice, et ben vous allez attirer tout ce qui ne dépend plus de la matrice. Et c'est énorme. Parce qu'au final, voilà, c'est moins vous participez à ce système et plus vous allez en. Bon, je vais prendre ça comme un signe. J'ai plus de place sur le portable. J'ai effacé quelques vidéos pour terminer là-dessus. Moins vous participez à cette matrice et plus vous allez en sortir. Oh oui, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais croyez-moi, toutes ces paroles venaient du cœur. Toutes ces paroles venaient d'un endroit qui, j'ai même envie de dire, dépasse Tom Larufa. C'est même plus Tom Larufa qui vous parle, hein. Ça je vous le dis direct. Hein. Les paroles sortent, presque je les contrôle pas, mais c'est pas grave, c'est bel esprit, je l'accepte totalement. Et comme je vous le dis, hein, je vibre à cette fréquence. Donc au final, je vibre à la fréquence qui sort de moi. Et vice versa. La fréquence qui sort de moi, c'est la fréquence à laquelle je vibre. Donc j'espère que vous avez kiffé, j'espère que que vous résonnerez également avec ça. Et pareil, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, en commentaire, et je me débrouillerai pour faire dans le mois qui arrive, en tout cas avant la fin de l'année, un petit Q&A. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit et surtout, 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 ne jouez plus le jeu de la matrice parce que croyez-moi, elle joue contre vous. Oh oui, oh oui.